coucou. Je vous reprends que maintenant, il est 11h30 tout simplement. 11h. 11h. Tout simplement parce que ce matin, je suis allée au rendez-vous de l'école, donc réunion dans la classe de Catel. Je vais regarder ma chérie. Pour l'organisation de l'année, etc. Donc j'ai fait ça ce matin. Donc je n'avais pas filmé là-bas. Donc là, je viens de rentrer et Chris est à la sieste. Donc je suis dans la salle de jeu avec Catel. On va faire une ou deux activités, je pense. Ah non, je vais aller accrocher ce qui me reste à accrocher dans la salle de jeu. Tu vas m'aider? Oui. D'accord. Et Catel voulait vous montrer le coloriage qu'elle a fait ce matin. Bah moi j'ai pas tout fini hein. Non. J'ai que fini réponse. Ouais. Alors en fait là ce matin ça m'a assez surprise parce qu'elle s'est réveillée, je l'ai entendue se réveiller. Et en fait au lieu de descendre réclamer son biberon, elle savait qu'elle n'avait pas école ce matin. Elle s'est installée dans la salle de jeu pour colorier. Et elle a fait son coloriage tout dans le calme, tranquillement. Et après, quand tu es venue sur la salle de jeu, moi en fait... Chut, parle doucement ton frère Edor. Et après, toi, tu m'as vu quand je coloriais les réponses. Eh oui. La toute petite fille, moi, il a 3 ans déjà, mais c'est pas très grave. Eh. Il est doux. Faut que je vous raconte un truc. Il a 3 ans. Ça fait... Catel l'a eu à ses 1 an. Donc ça fait 3 ans qu'elle l'a. Et nous avons enfin mis la porte du four. En fait, il nous manquait cette pièce-là avec les vis. Donc on ne pouvait pas l'accrocher. Donc il y a enfin le four. Ouais, enfin. Oui. 3 ans après. On est doués. Hein. Bah moi en fait j'essaye de réparer ça. Ah vas-y, répare. Ce matin j'ai eu la bonne idée. C'est qu'en fait à côté de l'école de Catel, le samedi matin, il y a le marché. Et donc, je me suis dit vas-y je vais m'en profiter, je vais faire notre repas de midi, je vais aller chercher un poulet. Donc, j'ai pris un poulet et les patates, comme ça j'ai plus qu'à le réchauffer et hop, ça y est, on va manger. Au moins, je m'embête pas ce midi. Non, j'ai trouvé une petite recette sur Pinterest de crêpes au yaourt. Donc, c'est des crêpes peut-être un peu plus épaisses, je sais pas, j'ai envie de tester pour goûter. Donc, on va se faire ça. Allez, go. Ouais, mon seul yaourt que j'ai, c'est 0%. On verra bien ce que ça donne. Et je vais faire avec le Magimix, je vais pas m'embêter. Elle est bonne la crêpe de maman? Ça a l'air, hein? Fait que je te la mette de force dans la bouche pour que tu goûtes, mais bon, maintenant c'est bon. Tu galères un peu, hein, mon bébé. C'est très bon. Elle est bonne la crêpe? Oui. Tu galères? Cette semaine, on a reçu ça, donc Pop Pic, c'est des stickers, donc là c'est la version pour les 3 et plus. Et en fait, c'est immense, regardez la taille du poster, la frise. Donc on va pas l'ouvrir complètement pour la faire petit à petit. Et en fait, l'idée c'est juste de faut recoller les stickers sur les bonnes couleurs. Voilà. Donc c'est de la gommette, c'est parti. T'as pas envie de la faire l'activité, si? Elle a pas envie. Je pensais qu'elle aurait envie. C'est des gommettes. D'habitude, elle aime les gommettes. C'est maman qui la met, celle-là, dans la gommette. Ouais. T'en mets un peu? Alors, vas-y. Orange, alors. Bon, bah, orange. Non mais on va pas les jouer dehors, il pleut Catel, on n'a pas l'impression là parce qu'il y a le soleil mais il pleut. Bon, après m'être fait la salle de jeu depuis 2 jours, je m'attaque à la chambre du petit et après j'attaquerai la chambre de la grande. Motivation. J'ai commandé sur AliExpress un planer en fait pour, vous savez je fais un bullet. Même si là ça fait un moment que je ne l'ai pas rempli du tout même. Mais je voulais un truc exprès pour le blog. Donc je me suis pris un planeur. Ce sera plus simple pour moi à gérer avec un planeur à rayer. Et donc là c'est des trucs que j'ai pris sur AliExpress. Et ce soir j'ai donc commencé à faire des fiches en attendant de recevoir la partie planeur. Voilà, c'est ce que j'ai reçu. Donc je vous montrerai tout ça. Et sur ce, là je vais couper et
je vais monter mon vlog et voilà, parce que je commence à fatiguer, il est déjà 11h. Bon, hein, on va aller se coucher pas trop tard du moins. Donc je vous dis bonne soirée et à demain. Allez, je vous embrasse. Ciao, ciao.